Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, on est sur la map ville RP de Quexel. Ça fait super plaisir, je vais pouvoir la présenter. Du coup, avec Quexel et Lucas Louis. Bonjour, comment tu vas? Bon les potes, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous parce que ça fait deux vidéos, j'oublie de rappeler, genre jeudi ou genre fin de vidéo, tu vois, genre what the fuck. Bon bref, c'est plus beau dans mon habitude. Bref, n'oubliez pas de mettre mon code créateur sur Fortnite, c'est Fullboss, ça fait vraiment super plaisir. Aussi, suivez-moi sur Instagram et sur Twitch, Fullboss-du-bas. Tout est dit, on va pouvoir présenter la ville de Quexel. Donc, alors, je te laisse parler ou pas pour le début Bah oui. Alors, ici c'est le spawn de la map, donc comme tu peux le voir ici, il y a la carte de la ville. Donc, ouais, alors là c'est la taille de la ville, là on est où en fait, à peu près? On est là où il y a le petit truc marron vers la plage, là. C'est pas où. Où il y a quoi? La grosse merde. Le marron là? Ouais. La grosse merde. Ok, où il y a le caca. Et pourquoi ça fait cette forme là? Ah ouais, c'est le tableau en fait. Quand on met un tableau, ça fait ça. Et c'est dommage. Donc voilà. Ah d'accord, j'ai compris. Ok. Donc on est ici. Donc on va faire plusieurs épisodes de la ville comme pour comme sur ma ville, sauf que je pense que la sienne elle est plus grande. Du coup on va commencer par vous présenter toute la partie, genre je pense on va présenter le camping et tout ce qui est à droite là-bas, à droite de moi, le stade, tout ça. Et prochain épisode, il faudra bombarder la vidéo de pouces bleus, la mienne, celle de Quexel et celle de Lucas Louis. Genre sur toutes nos chaînes, je vous les mettrai dans la description. Parce que surtout celle de Quexel, tu vois, c'est sa ville et tout. Ah, donc vous lui montrez, vous kiffez. Et comme ça, on présentera tout ce qu'il y a là-bas. Donc je pense à moyen de faire ouais, deux petites vidéos. Ouais, Chianis. Non, mais t'es pas invité, mec. Ah, alors peut-être que lui, il est invité, attendez. Et si l'astronaute, il est invité. Est-ce que l'astronaute. Ah, non. Y'a que le cochon. Faut inviter le cochon. Wow. Moi, j'ai une caméra. J'ai bien envie d'aller là. Ce premier bâtiment rose. C'est quoi ça, Quexel, ce bâtiment? Alors, celui-là c'est un magasin. Pas rentré dedans, tu vois, c'est la Je rêve ou t'as dit je pense? Je pense. Le mec c'est sa ville, il me sort. Bah je pense que. Alors, non, en vrai, ça c'est un magasin. Tu l'utilises jamais, je pense, non? Ouais, je l'utilise jamais en fait. Parce que... On dirait un peu un genre de truc par attraction. Les couleurs elles piquent les yeux quand même. Ouais, c'est qu'un petit. Ouais, on dirait un peu. En plus, les portes elles sont fermées, frère, il y a même pas de place. Vous mettez une note sur 10 et dites dans les commentaires si vous préférez la ville de Quexel, la ville de Fullboss. Et Lucas Louis, t'as une ville aussi, toi, non? Non, je vais en recommencer une. Je vais en recommencer une bientôt. T'as plus de ville? Non, bah ça. Ouais, dites dans les commentaires s'il y a des abonnés qui ont des grosses maps, des maps aventures, des villes, des parcs, des trucs que je pourrais présenter en vidéo. Voilà, mais dites-le moi dans les commentaires. Dites, ouais, salut Fullboss, j'ai une map, voici mon PSN et je vous contacterai. Ouais. Si tu veux, si je suis en train de construire un parc, donc un nouveau parc. Ouais. Il m'a déjà prévenu, il est en train de créer un autre parc d'attraction, donc ça va être vraiment du lourd. Je vais réparer les conneries de Fullboss. Ouais. Alors là, c'est le fameux camping. Ouais, le petit camping. Alors en fait, à chaque fois, tu te souviens pas quand on fait les tentes, j'ai plutôt le seum. Parce que du coup, il y a un gros pygmé. Ouais. Ça c'est le camping où on a fait déjà deux RP dedans, je pense. C'est déjà pas mal. Ouais. On va peut-être pas dire le deuxième parce qu'il sera peut-être pas sorti à l'heure où on tourne cette vidéo. Cool, hein. Il sera pas sorti. On sait jamais, pas de spoil. Mais le premier, alors, ici, vous l'avez déjà. Camping. On a des maisons. Maison. On a déjà été dans ces maisons là dans le RP. Ouais, genre c'est les maisons des moniteurs, moi je dirais. Ouais, c'est comme ça. Je le comprends comme ça. Ok, donc petite maison sympathique. Voilà. Alors dis, c'est un truc des années 2000, frère. Regarde le gros truc que c'est. C'est un gros bloc posé. Franchement, la ville elle est vraiment immense. Elle est vraiment très grande. Et il y a vraiment des beaux bâtiments, tout ça. Ok, les gens, c'est parti. Là, on va commencer du très lourd. Alors, Quexel, tu me conseilles quoi à présenter? L'aéroport. Alors, il est pas. Ouais, le petit aéroport. Ah, ouais, ça, on l'a déjà fait. Ah, il y a un port. Il y a un port à l'aéroport. Désolé. Wow! Je ne mords. Oh, MG! Ok. En vrai, ça va, l'avion il est cool. Il est sympa. Wow! J'ai fait un trou. Il y a Creeper, il a fait un trou dans le plafond, les gars. Quand il est où, genre, Creeper? Il y a vraiment Creeper qui a fait un trou. Viens voir. Oh putain, faudra réparer, ça va coûter cher là. Quexel, il va pas rigoler. Hein. Je crois ce bâtiment là. Là, vous devez deviner. En plus, c'est une vidéo qui a fait presque 60 000 vues là en deux semaines, je sais plus. Donc, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Parce que d'habitude, avec Creeper qui fait très bien la fille. Donc là, franchement, la vidéo elle a fait pas mal de vues. Donc, vous devez deviner dans les commentaires. Même moi, je sais plus trop. Ouais, si, à peu près, je sais. Vous devez deviner quel était le. C'était un RP horreur que j'ai fait dessus. Et Hitman n'a pas autorisé sa voix sur Google.
Comme sur deux vidéos sur trois, il ne l'autorise pas à savoir. Alors un côté, on a une maison que Zel Chris. Alors ça, ah non, c'est une salle de muscu. C'est une salle de sport. Ah ouais. Et franchement, les gars, tous les matins, tu vois, s'il va là, il fait ça avec les... Bim. Ah, Creeper, attendez, je vous montre l'exercice de Creeper. Vous voyez, je vous montre. Vous voyez, je vous montre. C'est sérieux, c'est le vrai exercice. Ça consiste à faire. Pas. En fait, dès qu'il a fini de faire une pulsion, bim, un coup. Oh, après, tu vomis bien. Voilà, c'est fini. J'ai fait ma muscu à mon petit boy une jet. Pourquoi il y a des morts par terre? Je me dis pas que c'est normalement, ça, c'est les trucs pour accrocher. C'est quoi? Ouais, c'est le poids. Alors en face, on a quoi? Police, let's go. Ouais. Là où Creeper mettra jamais. On a la prison, mec. Mais quelle belle prison, on dirait un truc de réunion. On dirait un truc de réunion. Oh, il y a les cellules. Wesh! C'est bon, on peut faire notre court-métrage, évasion de prison. Oh merde, j'ai spoilé. On va faire 32 000 abonnés. Ouais. On va attraper les 32 000 abos. Ouais. Alors, bah, c'est la garde à vue, c'est le commissariat en même temps. C'est la garde à vue là. Ouais. Alors, ici à vendre, créé par Quetzel et décoré par Lucas. Alors là, c'est Lucas, un petit gars écrit. Bon, décoration. D'accord, y'a pas de décoration. Y'a pas de décoration. Y'a pas de décoration. Regarde, donc c'est nul. Y'a rien. Y'a pas de décoration. Je me suis dit, mais pourquoi il a mis ça en plus? C'est ça le pire. Y'a pas de décoration. Oh! Pardon. Là, franchement, magnifique. C'est la plus belle des maisons que j'ai jamais vue. Donc, franchement, Lucas, t'es. Franchement, frère, c'est. Tu as passé à chasseur d'appart. Tellement t'es bon là. Quel style. C'est pas moi. Maison de Jean-Benoît le Pape. What the fuck? Ah, ça, c'est une maison décorée. Ah là, ça c'est moi qui l'a fait en plus. Là c'est bien. Il manque un peu de trucs mais... Par contre on en parle de la salle de bac, tout le monde a vu sur toi. Ah ok. Du coup, allez hop on continue. Alors, ah le stade, on a fait un début d'épisode dans le stade je crois, non? Oui. Ouais dans le camping. Dans le camping, donc, ouais. Je tenais pour la Belgique. Parce que la Belgique c'est le meilleur. Toi tu dis le camping. Le camping. Oui. Ouais alors que c'est camping. Camping. Un camping. Toi je fais le camping. Ouais. Comme le ying et le yong. Aucun rapport. Ce qui serait stylé, c'est une map RT chinoise. Ah ouais, ça ce serait badass. Mais faut avoir. Franchement, le style chinois c'est dur à build. Hein. Ah, mais je connais des potes, ils en ont. Hein. C'est comme médiéval et tout, c'est pas facile non plus. Quoi de bien, l'écho ? Faut la technique. Et la technique, si tu l'as pas comme ça, la technique. Alors, bah ça on vient de le présenter. Putain, c'est grand en fait. On se perd. Là, oh, ça c'est beau ici, c'est pour aller nager. Pourquoi il y a un poisson? Non, ça c'est décoré, frère, hein, qu'est-ce que tu racontes? Regarde Lucas Louis, c'est la maison la plus décorée de France. Ouais. Même, vu, il y a même un mec qui vient faire la tondeuse à l'intérieur, tellement c'est entretenu. Ouais. Frère, tu sais comment on décore cette pièce? Tu fais ça, regarde. Badam, décoré. Ouais. Bon, ça c'est une maison, faudrait aménager, hein, parce que ça peut être une belle maison. Alors ici, on a un chantier. Donc ça veut dire c'est en construction. Ah ouais, tout ça c'est en construction. On a jamais là-bas. Vu cette partie. Il y a une route en construction, il y a un bateau. Boss, en construction. On a jamais vu cette partie. On a jamais vu cette partie. Bah non, mais partie. En fait tout c'est la partie de la ville en construction. Bon bah au pire on va là, on a la NASA. Oh, c'est badass, ça c'est stylé par contre. Ça par contre c'est stylé. Mais go faire un RP en mode je pars sur la lune. Bah ouais, c'est pas chaud. Ouais, en plus, c'est ce que j'allais proposer. On tape le million d'abonnés, mec. On tape le million d'abonnés. On tape le million d'abonnés. Au moins, vous voyez les gens là que ça sert de faire des vidéos de présentation de map. C'est pas inutile. Parce que du coup, ça me permet de voir ce que je pourrais faire. Toi, tu sors pas. T'as pas le droit. Ici, qu'est-ce qu'on a alors? Eh, viens voir, il a fait le logo de la NASA. Oh, les gars, il y a un de ces bâtiments là-bas qui fait plaisir. T'aurais pas dû me TP par contre. Mais mec, regarde, il a fait le logo de la NASA. T'as oublié de regarder. Vers toi. Quoi, quel logo? Là, ah ouais, stylé. Il y a comment ça s'appelle Pixel qui a fait une map avec l'ISS machin là, la station internationale, c'est stylé. T'as vu lui ta fusée mec, elle est trop badass. Quoi? Sa fusée, elle était badass. Ouais, c'est vrai. À qui? À Pixel. Bah Pixel. J'ai pas jamais vu. PCW. Il y a la PGW, moi je dis. Ça les gars, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous allez aller à la PGW cette année. Voilà, franchement ça m'intéresse. Moi, et ouais. Je vous dirai si j'y vais ou quoi. Je vous dirai pas. Normalement j'y vais, il faut que je trouve les moyens. Alors là, non. Genre c'est la PGW, regardez comment c'est stylé. C'est trop badass. Alors comment t'as fait pour build cette PGW?
Alors, j'ai regardé des images de l'intérieur de la PGW, plein de vidéos et tout, même le scan Fortnite. Tu t'es inspiré de quelle année de PGW? Est-ce que t'as fait, t'as mélangé toutes les années? Ou t'as fait genre que. J'ai surtout fait enfin, 2018. Comme tu peux voir derrière quoi, il y a le scan Fortnite. En plus, c'est vrai, c'était vraiment comme ça. Hein. C'était vraiment comme ça le stand Fortnite. Ouais. À peu près. Ouais. Il y avait une tyrolienne de Fortnite. Bah, la tyrolienne, elle est là. Là, il y avait vraiment un truc en bois, là. Ici, il y avait Tibzy, à un moment, il est venu jouer. La tyrolienne, elle est là. Ah ouais, bien vu. Il y a vraiment elle est où, la tyrolienne en plus. Là. Je me rappelle. Stand Xbox, j'ai pas été. En vrai, j'avais été à la PGW l'an dernier. Mais j'ai été, genre, vite fait, une petite journée. Mais genre, pas tout le temps, pas toute la journée complète, en plus. Et j'ai vu que c'était ma première, enfin, vraiment première, j'ai pas pu bien profiter. En espérant que la deuxième sera meilleure. Et ton micro bug. Ah ouais, le stand Solari. Franchement, en PGW, il y a grave l'ambiance. Il y a grave l'ambiance. Hein. Tu vas là-bas, frère, tu peux pas t'ennuyer. Hein. Full, ton micro est bugué. Alors là, PS4. Y'a rien dedans. Y'a rien dedans. Y avait dommage que t'aies pas emménagé. Alors, par contre, le stand Xbox, YouTube, il était pas là. Hein. Après, des fois aussi, j'ai aménagé un peu à ma façon. Ouais, je vois. Voilà. Mais le YouTube Corner, il était à côté de genre de l'estrade où toutes les stars elles passaient. Ouais. Enfin, les stars, c'est des gros YouTubeurs à 2-3 millions. Et en gros, c'était juste à côté, t'avais le stand des YouTubeurs et tout le monde pouvait se poser là-dedans, prendre. Enfin, genre, tu te mets bien. Arrête de faire ça, wesh. Mais pourquoi t'as fait des montagnes? Franchement, c'est stylé, hein, mais t'as c'est pour vraiment faire comme dans dû la galérer. Vraie vie, en fait. Wow. C'est vrai que les montagnes, c'est grave stylé. Pourquoi toi t'habites dans des régions où il y a des montagnes? Ouais, en Rhône-Alpes. Et t'habites genre dans la montagne ou genre tout en bas et genre tu vois la montagne? En bas et je vois vraiment bien la montagne et je l'ai reproduit. C'est ouais, c'est comme ça qu'il habite genre Grenoble et tout, tu vois. Voilà. On voit dans les vidéos genre GameXRS tout ça, il fait des vlogs dehors, on voit les montagnes derrière. Mais il habite.